Moi-même, en tant que petite soyette, chaque jour, je me dis dans la presse. Mais tellement petite soyette, maman me déballe la rue. Maman me tape travail dans la mairie de Port-au-Prince pour te faire éducation 4 petits. Je dis, en tant que petite soyette, moi, t'as aimé l'autre monde qui petite soyette, qui est tout pour l'école, même j'avais. Moun ta pou fey, moun nan ghetto yo. Parce que moi-même, Magali, pour Magali, je suis passé en pile misère. Je souffre en pile. Je souffre en pile. Je souffre en pile. Je passe en pile misère aujourd'hui pour Magali habiter que je suis. C'est ça que fait ma petite. Mon grand sud t'a remé, fin d'année à André. Je t'a remé entrer avec marchandise pour venir vendre, pour retourner à l'occupé famille. Mon poids de bouquet t'a remé faire même bagaille là. Mon la Tibonite t'a remé faire même bagaille là. N'a demandé, mon qui t'y a responsable. T'en prie. Prends responsabilité nous envers peuple là. Peuple là, pas te mettre 9 moun là pour nous boumer. Peuple a te mette nous là pour nous faire élection. Pour nous bailler peuple la sécurité. Il y a 6 mois, pas jamais de sécurité. Peuple a toujours dans insécurité. M'a dit nous jodi à la. Pas dit m'a retiré pied pour mettre pied fort. Jodi à la peuple a besoin d'un résultat. Jodi à la, nous pas mande écraser briser. Nous pas écraser briser. Nous pas écraser pays. Parce que nous avons crasé le pays depuis 1986 jusqu'à nos jours. Nous n'avons jamais réalisé rien. Sans cette yo pas pour même pour nous mettre Haïti dans l'état de moi-même, demain, si tu veux, 47 octobre, si tu es en place politicien, si tu es en place tout le monde, nous avons fait une journée de réflexion devant le palais national pour nous parler de nous. Parce que demain, c'est un gros jour pour nous. Li pa jou pou nou krasé brisé. Li lè li tan. Li lè li tan. Jodi a m'ap mande l'état, s'il te plaît. L'état s'il te plaît. Ça c'est trop tellement pas goumé pour nous. Ça c'est trop tellement pas pour mettre nous dans l'état nous a. Nous gagne frère avec ça nous. Cap qui milieu dans la République dominicaine. Nous gagne frère nous. Même en Afrique, si que y a pour y a déporté pour nous. Jodi a n'a mande l'État haïtien, mettez bis pour Mounio. Maman de monsieur qui est Sam, vraiment avec Sémio qui est dans le ghetto, qui me lève même côté avec. Baille peuple a une petite chance, quittez ou entrez dans le pays, pour venir vivre dans le pays, pour suspendre l'humiliation en République dominicaine. Pour suspendre. Parce que quand ça dit, nous-mêmes haïtiens, premier peuple noir qui prend l'indépendance, nous. Je dis à pour nous humilier, pour nous passer nous en bas pied. Pour nous passer nous en bas pied. Mes amis, haïtiens, frères avec sœurs, politiciens, bourgeois, on nous met tête nous ensemble pour nous retirer Haïti dans ce là. Parce que pas de pays de l'échange, nous sommes seuls pays que les Haïtiens. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est pour parler des pays. Parce que le peuple n'a pas de place. Nous avons besoin de pour le monde qui dit aux ses amis Haïti, pour aussi se passer nous en papier. Si on dit aux ses amis, nous avons aidé nous sortir dans cette situation. Nous avons aidé. Nous n'avons pas de place pour nous appuyer, nous avons passé nous dans le tête. Nous avons une équipe pour nous qui dit aux l'État, nous n'avons pas de responsabilité de l'État. Comment je fais pour moi? Je suis docteur Ariel Henry. Je fais manifestation depuis 3 ans sur le pouvoir parce que je ne peux pas prendre le pays. CP avec tout gouvernement là. Depuis moi, je ne peux pas prendre rien. Je vais retourner prendre l'arrière même si je fais manifestation contre. Jusqu'à présent, vous avez dit que nous trop tard. Pas de sécurité nous. Jusqu'à présent. Non, sécurité, nous tout droit, tout côté. Nous ne pouvons pas nous piéger. Nous ne pouvons pas nous piéger. Nous posons des questions. 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 Et Magali habite à parler. Nous posons des questions. Nous posons des questions. Des actes racistes, déportation illégale, la caille Abinadel. Mais nous connaissons que, nous disons que ces pays qui ont fait, même c'est autorité haïtienne qui fait pays par eux. Qui ça va dire dans ce sens ça? Eh bien, moi, je parle de ça. C'est parce que l'État nous, tout l'État qui passe, ce n'est pas ça qui l'a pour nous.
L'État était là déjà, yo, depuis après le départ du président Jean-Claude Duvalier, il n'y a pas de jambes de responsabilité. Yo. En 86, Dominique n'est pas de jambes capable pour le tapis milieu, nous, Jean le tapis milieu, nous là. C'est après le départ du président Jean-Claude Duvalier qui mettait nous dans l'État, nous là. C'est ça que nous avons demandé l'État pour prendre responsabilité. Léon, regardez ce qui a passé là, où est-ce qu'il n'y a pas de problème entre deux peuples? Mais on peut souhaiter que c'est un problème entre deux autorités. Parce qu'il n'y a pas une autorité étatique dans le pays d'Haïti qui est capable de jouer une position jusqu'à maintenant pour dire non avec déportation illégale. Ça aussi, militants, organisations de base qui parlent seulement. Parce qu'il n'y a aucune autorité. Nous avons une femme vaillante qui est campée dans la Nation Unie qui est parlé de paix. Qui c'est Madame Dominique Tupi. Comme une femme qui prend responsabilité. Une femme qui met femme dans la famille pour te parler. Avec Abinadel, Jodia qui a passé nous en papier, c'est parce que nous payons l'État dans le pays. C'est ça qui fait nous demander 9 présidents prennent responsabilité. Yo. Parce que si nous avons 9 présidents, Jodia faut qu'on prenne responsabilité yo, pour yon retirer le peuple dans sa vie. Merci. Bah malheur est-ce que sont ces noms mais ils ont parlé pour yon dans la gagne monsieur. Pas faire au père nous. Pas faire au père nous parce que nous sommes même avec eux. Je dis à ma petite là. Tout le monde a éternisé sous Guy Philippe qui va faire manifestation de mains. Manifestation de mains, nous parlons, eh bien, je ne sais qui fait ce qu'on a fait. Peuple a fait. Parce que les gens qui réfugient qui là-haut, nous parlons qui monde qui va dans la rue. Peuple a fait dans la rue. Mais c'est pas. Pour demander au gouvernement pour aller, pour monsieur dames et sécurité dans le pays, stabilité dans le pays, merci. Mais pour nous, nous avons une question de mouvement que même monsieur vivant ensemble dit à Piel. Est-ce que vous avez l'impression que monsieur sont à risque pour la rue? Directement, monsieur vivant ensemble, c'est haïtien. Ça qui arrive, ok, mon amour, mais vous avez une petite classe biologique, mais vous voulez avancer là-dedans. Je dis à la, Sam qui n'a pas Mais nous, c'est population. Bon, yo te viré population, mais nous t'a demandé pas population qui va comme plume dans yo. Comme valise. OK? Comme valise dans yo. Je dis à c'est eux même, c'est frère, c'est cousin yo qui presser balle dans toi encore. Je dis à l'homme qui a tiré, pas penser et seulement nous perdre. Il ca gonfle famille qui prend balle tout. Il ca gonfle famille qui prend balle parce que c'est balle qui a voyer. Mais je dis à là, nous bouquer. Si c'est nous même qui est ouais que. Si c'est nous même qui est ouais que nous t'ai cran. Pour nous réunir, fréquent, on peut faire 25 ans qu'il a occupé. Je dis à vous, c'est lui-même qui a repoussé nous, qui a nous balancé, qui a frappé bien la figure nous, qui a use jeune garçon qui se prend ici par moi. Je dis à lui, vexant, en pile. Et moi, je dis ça. Je souhaite, monsieur Damio, ressaisir parce que le jour est arrivé. Et le jour après ce qui est arrivé, le jour après ce qui est arrivé pour Haïti délibéré. Et l'a délibéré. Je ne sais pas si tu es un peu plus jeune. Nous-mêmes, organisations de société civile, avec partis politiques, avec nos organisations dans le secteur universitaire, je dis à nous d'accord, bah une conférence de presse conjointement pour que nous venions et faire un plaidoirie pour nous parler avec tout respect il y a sur la nécessité pour gagner l'autre accord politique. Parce que nous clair. Nous avons 7 mois depuis que nous constatons l'échec accord 3 avril. Là. Nous avons un accord 3 avril qui porte crise sous crise. Et si nous quittons accord 3 avril, ça, j'en lié à là, et que pas gagné qui dit force démocratique, force vive pays, pas une nécessité pour nous engager des discussions entre eux. Et que nous-mêmes nous commençons à faire concertation entre nous et avec leur groupe pour nous dire. Moment arrivé pour nous mettre d'accord sur un autre accord politique. Nous-mêmes, je dis à la, nous sommes partisans de l'autre accord politique. Ça fait nous mettre nous ensemble pour nous défendre des machins. Et en de accord politique que nous avons parlé, nous clair que nous pouvons aller vers la Cour de cassation. Et pour que nous gagnions un autre gouvernement de consensus et largement large qui regroupe tout secteur
et côté que différents secteurs ça yo yo senti confortable pour aborder problème insécurité qui grand dans pays ya, et que pour nous même nous capable aller vers les élections pour nous finir en question de transition qui n'en finit pas. Donc nous même nous clair position nous pour aller à partir de aujourd'hui et nous déjà consenti pour que nous entamer un ensemble d'initiatives, que ce soit city, que ce soit manifestation, que ce soit une campagne de sensibilisation que nous allons faire dans différents coins en dans le pays, et nous allons rencontrer différents autres secteurs pour que nous exposer la situation, pour que nous comprenions que aujourd'hui, il faut aller vers un autre accord politique et cette question de CARICOM qui a imposé la question par lui. Donc il faut que nous ayons une solution à la manière haïtienne. Je dis à l'éclair, nous-mêmes, nous présents sur table là, dans la logique pour que nous fassions promotion et plaidoirie ça, pour que le pays aille entrer dans l'autre accord politique que nous-mêmes nous prenons l'initiative dans ce jour-là. Là. Et comme nous-mêmes n'avons pas là avec notre groupe, nous entendons organiser un grand rassemblement pour que nous-mêmes nous montrions vraiment vrai accord politique que nous prenons et c'est nécessaire. Et nous avons quitté place avec camarade Mackenlow et lui-même, capable de nous plus détails sur fondement et qui gargote et CPT ça représenté, qui menace lui représenter, qui sacre l'État grand-papa, c'est lui représenté, qui ça symbolise comme un pouvoir de corruption, et que nous prenons la quantité gargote qui fait dans la caisse l'État, dans l'idée pour juste supporter 9 mercenaires qui ne peuvent régler rien, donc qui fait que nous-mêmes clair, solution c'est la Cour de cassation, on leur gouvernement de consensus. Ça veut comprendre tout. Et action et CPTA par rapport avec le ministre des Affaires étrangères qui prend une décision ou bien qui t'a voulu mettre Saint-Domingue face avec l'histoire que nous-mêmes haïtiens nous faisons dans le monde là, et par rapport avec la déportation. Comment nous comprenons et CPTA qui voulait à tout prix pour révoquer le ministre des Affaires étrangères de Médic? Nous-mêmes nous comprenons simple parce que nous connaissons 9 membres qui sont dans le conseil présidentiel là, c'est 9 espions national et international qui viennent protéger l'intérêt de leur pays étranger en détriment de la population haïtienne. Et donc, nous connaissons bien Leslie Voltaire qui sort dans la famille Lavalas, que nous-mêmes, auparavant, de dire c'est Ratio qui sort dans tout. Donc, pour comprendre que si je dis à Lavalas, il y a un pouvoir pour 5 mois, et puis il commence à faire des blousages dans le pays. Donc, nous disons, ouais, si Lavalas fait un an dans le pays, il a casé. Donc, nous clair que nous te dit, ministre des Affaires étrangères là, malheureusement, le ministre dans un mauvais gouvernement. Il était supposé ministre dans un gouvernement qui est légitime et pour exercer toutes compétences qu'il gagnait. Mais je dis, nous avons le conseil présidentiel là qui a pris au créneau pour évoquer. Et c'est un homme qui est plus compétent dans le gouvernement que vous voulez mettre à terre pour faire la République dominicaine plaisir. Pas oublié, non? C'est même Abinader qui demandait de révoquer Claude Joseph parce qu'il était pris une position contre lui. Je dis, le ministre des Affaires étrangères là, il prend une position contre la République dominicaine. Premier bagage, le président Abinader demande, parce que les Leslie Voltaire qui a intérêt à la carrière Abinader, il demande de se révoquer pour révoquer. Ça veut dire, le modèle que nous avons là, ce n'est pas des gens qui ont une dimension historique, qui comprennent la réalité du pays d'Haïti, qui pour faire face avec la République dominicaine. Je veux dire, ça va faire nous niche du Fred, parce que nous connaissons la majorité de ça qui est bien en République dominicaine. Mais par exemple, j'aime Abinader sommer ou bien geler contre eux, c'est normal pour défendre. République dominicaine en détriment Haïti. C'est pas normal. Le conseil présidentiel l'a dit. Non, mais ça, je pense que ça, c'est pas normal. Ou fermer les frontières en l'air, ou fermer à terre, ou fermer sous l'eau. Et puis, on prête ses mains, et puis on invite un pays pour aller à l'investiture. Ça, si on est allé, moi-même, je dis bon, nous venons dans le dernier niveau, côté un pays, mettez-nous à l'écart. Et puis je dis à le besoin nous, et puis c'est lui qui a voulu chercher nous, pour dire nous à l'investiture. Moi, c'est un travail qui est normal pour ne pas aller. Et je dis ce fait, tu ne vas pas aller. Mais si tu vas aller, tu as plus mal pour nous. Est-ce qu'on va continuer en crise de tomber là? Pire, le conseil présidentiel a dit pour Mme Dupuy, pas mettre pile dans la ville là pour venir dans le conseil des ministres qui est pour faire un dans l'espace. Eh bien, laissez oui. Il y a 3 conseillers qui ont été volés dans la Banque nationale des crédits. Pas vrai? On a le conseil présidentiel là entendre pour faire 3 conseillers, Chita, pour capable régler intérêt personnel. Et mais pas oublier, conseil gouvernement, c'est 18 ministres qui sont là-dedans. Si ministre solidaire avec le ministre des Affaires étrangères là, conseil président, c'est la caduque automatique. Et nous avons un message par le conseil gouvernement. Nous disons, plus gros service qu'à rendre le pays. Premier fait, Chita mercredi, pour prendre un conseil de ministres,
prend une décision, yo constater conseil présidentiel là fait échec, yo constater conseil présidentiel là caduc pour yo faciliter le président de la Cour de cassation prêter serment et puis automatiquement président de la Cour de cassation fin prêter serment conseil Garigoni écrasé pour peuple al mouton l'autre gouvernement pour nous mettre pays à soi niveau. Non moi encore comment on pays d'Haïti donc les acteurs qui continuent à faire dans quatre pays. Non mais sinon moi encore n'a rappelé que et avant conseil présidentiel là Grèce ça fonctionnait normal. Avant conseil présidentiel là pas de déblouza et n'a pas sondé, pas de 115 moun, pas de plus massacre ça dans pays à caille ça fonctionnait normal et Gantier la caille ça fonctionnait normal et quoi et commissaire quoi de bouquet a pas de craser t'es des policiers là-dedans. Donc si n'a pas nous moi avec conseil présidentiel là son pays cap sombre et ça fait nous prendre de responsabilité nous pour nous foutre nèg ça qui couper dans monde pour nous retirer dans pays pour installer pouvoir populaire dans palais national. Et 25 avril 2024 et 25 octobre 2024, c'est déjà 6 mois depuis le conseil présidentiel là gagné dans le pays. Donc nous même dans mouvement populaire depuis 3 ans nous te dit nous pas en bail conseil présidentiel. Ni à 3 membres, ni à 5 membres, ni à 7 membres. Parce que pas créé dans le pays. On sait le façon de faire avec tout le monde, c'est dans le bus que tu as chaque matin à caillou, à le déposer dans le palais, à le prendre. Mais si vous faites comme ça, une balade. Donc, je dis à nous, à clair, par exemple, nous avons dit, c'est fiscal que nous avons gagné, nous, après 6 mois, pas les résultats. Donc, et puis, depuis 25 avril, le Conseil présidentiel a violé la loi 12 février 2008 là, qui portait sur la déclaration de patrimoine. Ça veut dire, neuf conseillers n'ont pas fait déclaration de patrimoine. Ils n'ont pas dit combien de machines ils ont gagné, ils n'ont pas dit combien de cas ils ont gagné. En gros, ils n'ont pas dit que ça a gagné comme moyen économique. C'est ça qui fait. Ou est trois braquets qui n'ont conseil présidentiel là, t'es qu'ils ont allé les âmes sous président de NCA pour 100 millions de gouttes de billets bonnet. Parce qu'ils ne vont pas mettre comme ça là-bas et ils ne vont pas dire combien ils ont gagné. Donc, c'est facile pour eux blanchir comme là. Eh bien, étant donné que les peuples haïtiens n'ont pas dormi et ancêtres n'ont pas dormi, ils ont fait nous quitter trois conseillers volés. Il n'est pas question de changer braquet Moïse Jean-Charles. Nous clés sur ça. Il n'est pas question de changer Emmanuel Vertilet, il n'est pas question de changer Smith Augustin, il n'est pas question de changer Jules Gérald Jules, voler 21 décembre. Je veux dire, son conseil présidentiel qui caduque, il n'est pas question de nous retirer moun, nous ne pouvons retirer trip pour nous mettre paille. Nous dit, nous prenons la Cour de cassation pour nous appliquer l'article 149 de la Constitution 1987, nous l'avons demandé, et l'article 59. Nous prenons le président qui est le Jean-Joseph Lebrun. Il y a un juge qui est plus crédible d'Haïti qui pourra assurer l'élection. Parce que l'élection, pas qu'à ces partis politiques qui pourraient le faire. Sinon, il pourra déboucher sur une crise électorale sans précédent. Donc, nous connaissons la Cour de cassation, c'est une institution républicaine. Donc, nous croyons que il est capable de faire l'élection dans le pays. Il a été fait en 2010, il a été fait en 2004, et nous croyons qu'il a été fait en 2024. Conseil présidentiel, combien il a coûté le pays pendant 6 mois? Un salaire de 220 000 gouttes. Caburant 250 000 gouttes, 4 de débit 500 000 gouttes, 4 téléphones 20 000 gouttes, deuxième résidence 400 000 gouttes, frais fixe, un tiers de 220 000 gouttes, 73 333 gouttes. Et l'agent intelligence, Smith Auguste était dit, ULCC, conseil présidentiel a gagné 25 millions de gouttes pour faire intelligence. Ça veut dire, si vous avez 25 millions, vous divisez par 9. Chaque conseiller gagne 2 777 000 gouttes dans le pays. Ça va un montant en total. Un conseiller par mois coûte l'État 4 241 110 gouttes, point 77 centimes en dollars américains. Ça va environ 32 000 dollars américains. Donc, si vous prenez un conseiller pour 6 mois le fait dans le pays, il coûte l'État en tout 25 446 gouttes. 664,66 en dollars américains, ça vaut 200 000 dollars environ. Un green conseiller coûte l'État. Et vous allez prendre 9 lots météo ensemble. 9 conseillers pendant 6 mois coûte l'État 229 019 981,94 centimes. En dollars américains, ça vaut 1 734 999,86 centimes. Les amis. Sans trois machines, nous ne sommes pas là-dedans, sans notre corps, nous ne sommes pas là-dedans. Ça veut dire, l'État, dans 6 mois, là, il a boulé 2 millions de dollars américains. Et pendant que vous dites que la police n'a pas de matériel, il n'y a pas de corps. Non! Nous disons ça à camper là. Après 6 mois, ça, nous ne sommes pas dans l'obéi. Manifestation demain, si je veux,
Et pas dans la rue nous parler. Nous prenons la caille Emmanuel Vertilet, nous prenons la caille Edgar Leblanc, nous prenons la caille Smith Auguste, nous prenons la caille chaque conseiller et chaque ministre qui est dans le gouvernement. Pour nous bailler au ministre. Parce que nous, nous peuple comme ça l'a fait déjà. Peuple qui est comme ça l'a fait, peuple n'a pas égaré, qui est en comprendre. Nous allons pas la rue, l'école va fonctionner, nous petit marché pas calme, petit marché pas calme dans le marché. Non, nous prenons côté volé, nous prenons côté corrompu, nous prenons la caille pour nous poser une question. Sur 2 millions de dollars, vous voulez pour l'État dans 6 mois. Et zéro résultat, nous avons quantité de massacres qui fait dans le pays. C'est plus passé 115 personnes qui mourent pour sonder. C'est plus passé 12 000 personnes qui quittent caillou pour sonder. C'est 45 machines qui brûlent environ. Donc, là, il y a 10 femmes et 3 petits bébés. Le conseil président n'a pas dit rien. Il y a boumé pour pouvoir. Il y a besoin de révoquer ministre toute la journée. Avant le conseil présidentiel, Grèce a fonctionné normal. Avant le conseil présidentiel, il y a des bouquets, commissaire a été fonctionnel. Avant le conseil présidentiel, pas de problème cabaret ni à carrière. Pas de problème parisien ni gré. Eh bien, son conseil présidentiel qui caduque. Donc je dis, nous demandons à CARICOM venir retirer des déchets dans notre pays pour faciliter le président de la Cour de cassation prêter serment et pour une élection libre, honnête et démocratique.